C'est un bel hommage que l'Assemblée nationale et tout le Québec vous a rendu aujourd'hui. Oui, je suis très heureux, ça m'a beaucoup touché. Puis en même temps, je les ai aidés à prendre des décisions qui... Gilles, on a rendu maintenant à la deuxième moitié de la saison de Formule 1. Qu'est-ce qui se passe, les prochaines étapes? Bien, la prochaine étape, c'est dans 3 semaines à Dijon, en France, le Grand Prix de France. Et puis là, bien, on sait que la première moitié est terminée. Et que les deux moitiés, c'est un peu comme deux championnats, en fait. Et puis que cette année, on a compté 4 résultats dans chacune des moitiés. Ce qui fait, ce qui me donne un handicap de 10 points par rapport à chaque tour, mon équipier, qui va être très difficile à reprendre en deuxième moitié, parce qu'on ne peut compter qu'à 4 résultats. C'est ça que vous aviez prévu, ou si vous êtes déçu de la première moitié de la saison? Ah non, je suis... Je ne peux pas être déçu quand on a eu 2 victoires. Mais les dernières courses, j'ai peut-être manqué un peu de chance quand mon différentiel qui s'est brisé à Monaco, le panne d'essence en Belgique, mais les choses vont aller bien en deuxième.